raconter maintenant trois histoires donc trouvées sur le site de la ville d'Auray, auray.org. Donc concernant les Korrigans, on va commencer par le Korrigan et le Bossu. On raconte qu'un jour, un bossu vint à passer près d'une clairière. Il aperçut des Korrigans qui s'amusaient à chanter « Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi ». Bah alors les Korrigans, elle n'est pas finie votre chanson? Moi je peux vous donner la suite, se moqua gentiment le bossu. Attention, dirent les Korrigans, hein. Si ce que tu nous promets n'est pas à la hauteur de nos souhaits, tu seras sévèrement puni de ton audace. Et le bonus de chantonner, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et puis le dimanche aussi, et voilà, la semaine est finie. Hourra, crièrent les Korrigans, tellement ils étaient contents. Notre chanson est plus longue à présent. Dis-nous ce que tu souhaites, argent, beauté. Bah si vous pouvez, j'aimerais bien me séparer de ma bosse, très sympa. Si te dis, voilà les Korrigans qui s'emparent du bossu et le jettent dans un trou, car les Korrigans ont énormément de force. Quand il réapparaît, le voilà tout droit à notre bossu, tout droit donc. Souvent les intrépides ont moins de chance, quiconque essaie d'entrer dans la ronde des Korrigans se voit piégé toute la nuit jusqu'à épuisement, voire pire, je crois. Ce sont des êtres facétieux qui peuvent se révéler dangereux. Entre guillemets, vengeance de lutin, on n'en voit pas la fin, dit le proverbe.